Et bonjour à tous, on est parti faire le déchômage du Plétan. Ça consiste à enfouir la paille, en fait c'est la chaume du blé, la paille qui reste après la moisson. Tout le reste de la paille, on l'a fait presser pour emmener en botte pour des éleveurs. Et là, ce qu'on fait en même temps de mélanger la chaume à la terre, on refait la structure. On détruit les mauvaises herbes et on fait un genre de faux semis. Il y a diverses graines qui sont à ras le sol qui attendent que de germer. Et là, on va permettre de faire naître ça dès qu'il y aura une petite averse. Alors déjà, il faut bien régler la déchaumeuse. Si elle est portée, celle-là. Pour ça, faut régler le 3 points, que le bâti soit de niveau, et après on peut régler avec les bras l'inclinaison et aussi un contrôle d'effort. Il faut absolument que tous les disques soient à la même hauteur. Dans cette pratique de déchômage, on fait ça avec la déchaumeuse. Elle a 10 disques avec un 70 chevaux et le cover crop 26 disques avec le 95 chevaux. Comme on gratte environ 4 cm, la consommation n'est pas très élevée. Ça permet de détruire les mauvaises herbes. Là, comme on peut le voir, il y a un peu d'herbe. Surtout des kénopodes, renouer liserons, un peu de chardon. Les chardons, par contre, ça va faire que les ZTT. Ils vont repartir dans les 2-3 semaines à venir. On fera sûrement un autre déchômage. Et après, comme on va faire du second blé et de l'orge, on passera un coup de charrue. Il y a quelques graines de raie gras qu'on n'a pas réussi à détruire, qu'on veut enfouir. Si le faux semis là, qu'on est en train de faire, marche pas, avec ce labour, ça permettra d'enfouir la graine et de réduire la pression adventice dans le prochain blé. Ce qui est particulier avec la déchaumeuse, moi, j'ai le contrôle d'effort. En fait, si je veux qu'elle pique plus, je la baisse. Si je veux que ça pique moins, je la remonte. Des fois, ça arrive que le premier disque, comme c'est une portée, pas comme le cover crop,
ils jettent de trop. Là-bas, ça faisait une petite butte, là, vous voyez. J'ai pas pu, parce que c'est, comme c'est en entache que je le fais, je monte et je redescends. Ce travaille que dans un sens, comme les chariots à planches. Après, vous voyez, quand on fait le troisième passage, avec le 3 points, on règle que tous les disques travaillent sur la même profondeur. Il y a les deux roues jauges là-bas derrière qui permettent de maintenir la déchaumeuse dans le sens du tracteur. Et voilà. Alors moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.